Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Voilà 8 ans que la vie de classe égale à HRL Michael Schumacher a basculé. Après son grave accident de ski survenu dans les Alpes françaises. Le pilote de F1 s'est muré dans un mutisme glaçant, qui continue d'inquiéter ses proches et fans. Si l'on connaît les conséquences qu'a eu ce tragique incident sur la santé du sportif. On sait peu de choses sur la chute qui a bien failli coûter la vie au papa de Mick et Gina, 22 et 24 ans. Dans le documentaire Michael Schumacher, Enquête de vérité, qui sera diffusé sur la chaîne RMC Story le 27 août 2021. D'étonnantes informations concernant les blessures de Michael Schumacher ont été révélées. À quelques jours seulement de son 44e anniversaire, Michael Schumacher profitait de ses vacances avec ses enfants et sa femme Corinna. Le septuple champion du monde de F1 s'est alors lancé sur une piste rouge avec son fils. Le sportif a finalement glissé à cause d'un rocher et chuté violemment. Selon les témoignages des proches de Schumi. Un objet particulier est à l'origine des dégâts physiques sur le pilote, qui est ensuite tombé dans le coma et a été hospitalisé à plusieurs reprises. C'est la tâche de la GoPro qui a amplifié ses blessures, c'est la faute à pas de chance. Avance le journaliste belge Zetive Knoll. Sa caméra a transpercé le casque, explique Philippe Streff. Un ami intime de Michael Schumacher. Ça a accroché son ski et ça l'a déséquilibré. A affirmé Olivier Fourcade, moniteur de ski à Méribel, qui était présent lors de l'accident. C'est donc cette petite caméra qui a perforé le crâne de Michael Schumacher. Depuis 2013, Michael Schumacher n'est pas apparu en public et n'a encore jamais pris la parole. Sa famille le protège beaucoup et peu d'informations circulent à son sujet, si ce n'est les quelques nouvelles que donne parfois son ami Jean Todd. Les proches de l'ex-sportif, aujourd'hui âgé de 52 ans, vont prochainement sortir du silence à l'occasion d'un nouveau documentaire Netflix attendu avec impatience.